Bonjour, je m'appelle Annabelle, je suis la responsable de l'hôtel Treviso. L'hôtel Treviso est un love hotel, c'est-à-dire un hôtel pour couples où se donnent rendez-vous des couples d'amoureux ou parfois des couples illégitimes. La chambre Marrakech, qui, comme vous le voyez, est avec une décoration typiquement nord-africaine. Le petit coin salon où les gens peuvent manger ou boire un petit quelque chose. Il y a des miroirs des deux côtés du lit. Et derrière ce panneau-là est cachée la salle de bain. Je me souviens au début qu'on travaillait ici, mon mari qui sert, c'est lui qui fait le service dans les chambres, une chambre l'appelle pour servir du champagne. Et donc il monte avec la bouteille de champagne, la demoiselle est déjà sur le lit à moitié nue et en arrivant il fait attention de ne pas se cogner sur les chaussures qu'elle a laissées par terre, il va déposer le champagne sur la table et en revenant il se prend les pieds dans les chaussures et il tombe sur la fille sur le lit. Mais après, lui est descendu un tout rouge en me racontant ça. Et la jeune fille, elle, quand elle est descendue, elle s'est excusée d'avoir laissé traîner ses chaussures. Alors là, c'est un sphomoscope qui se trouve dans le living, dans la pièce où nous tenons. Et il sert à nous signaler quand il y a quelqu'un qui descend l'escalier. Parce qu'évidemment, on évite toujours au maximum que les clients se croisent. Quelqu'un qui travaillait ici à la réception et qui un jour, il y avait un monsieur dans la chambre et la compagne du monsieur arrive. Et cette dame, c'était sa belle-mère. Ça, c'est un peu plus dramatique. Il y a eu un petit malaise, la dame en question a dit qu'elle s'était trompée d'adresse, mais la jeune fille qui faisait la réception savait très bien que c'était pas vrai. Alors nous voilà au deuxième étage, on va entrer à la Maharaja. Alors, la Maharaja est là. Je dirais la plus romantique, en tout cas c'est la préférée des jeunes. Et le style de la chambre, c'est plutôt indien, donc avec les murs orange, le lit à baldaquin dans les roses, avec des petites cloches. Il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui n'aiment pas évidemment. Quand on s'agite sur le lit, ça sonne. Alors ici, nous arrivons dans un tout autre style de chambre, l'écrin. On va fermer la porte parce qu'il y a des clients à côté. Alors celle-là, ben le décor, en tout cas le lit, c'est le lit d'origine, donc en forme de coquille Saint-Jacques. Et ici, tous les murs sont un polygone de miroir, ce qui pour les gens qui aiment bien se voir dans un miroir est assez impressionnant parce qu'on est à deux sur le lit, mais on est à 40 dans la chambre. Voilà, on a fait le tour.